must be funny in a rich man's world. Money, money, terrible money. Affaire. Qui a eu des répercussions dans le monde entier. Oui. C'est le krach de boursier de Wall Street, c'est au mois d'octobre 1929. Oui. Donc, la fourchette est très courte, finalement. Oui, 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 19-25, à peu près, 19 octobre au 25. Ça avait commencé en 27, déjà, hein, ça avait chauffé. On est donc à New York. Enfin, qu'on appelle New York parce que ça, vous savez, ça a changé de nom. Je dis ça parce que ça va être important dans l'explication. Ça s'est appelé Nouvelle-Amsterdam, Nouvelle-Angoulême. Pardon. Oui, parce que ça a été français pendant un temps. Nouvelle-Angoulême. Ah oui, Nouvelle-Angoulême, on disait à l'époque. Ah oui, c'est incroyable. C'est comme tout. En l'honneur. Et ça s'écrivait Angoulême. En l'honneur de François Ier. Oh, ouais. Ah oui, oui, oui. Puis après, ça a été alors dans. C'est Ségolène qui devait être contente alors. Hein. Oui, mais ça a changé depuis. Ah bon. Donc, je vous le dis, les Hollandais ont appelé ça Nouvelle-Amsterdam. Et comme les Anglais étaient un peu oppressant, ils ont construit un mur, vous savez, pour isoler l'île de Manhattan. Et puis ce mur a été abattu, on a construit une route, une rue, c'est devenu Wall Street, la rue du mur. Voilà pourquoi ce lieu s'appelle comme cela. Et c'est là que tout démarre en 1927 avec un drame, c'est-à-dire c'est une bulle spéculative en fait. Hein. C'est-à-dire que l'argent n'est pas trop cher, donc on peut prendre des emprunts. Et puis très vite, d'un seul coup, à partir de 1929, début 1929, eh bien les taux d'intérêt commencent à grimper. Et puis ils ne peuvent pas rembourser. Eh bien, on ne peut pas rembourser, c'est-à-dire que le remboursement coûte plus cher que ce que ça vous rapporte. Je vous propose de regarder des images. On va plonger dans cette année 1929, dans ce lieu, Wall Street, et puis surtout New York, avec des drames absolus que ça va entraîner, plus l'histoire, évidemment, l'histoire en Europe, entre autres. Alors voilà, l'immeuble de Wall Street, cet immeuble. Alors au début, cette histoire, hein, ce sont quoi, une trentaine de petits investisseurs qui vont créer cette bourse. Alors cette bourse, en 1929, vous voyez, on voit les agents de change, ce sont eux qui vont surtout être frappés de plein fouet en ce 19-20 octobre 1929, parce qu'on les voit, là, ils essayent de vendre, d'acheter au plus offrant, ça devient une véritable panique. Alors ça, c'est un film. Ah, oui, 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 absolument. Alors ce sont des images à la fois d'archives et des images cinématographiques pour vous montrer à quel point la population est devenue sensible. Alors on n'est pas dans un grand hôtel, hein, ce sont les ordres qui sont passés dans les banques. Vous voyez, on referme les guichets au nez, à la barbe des acheteurs et de ceux qui veulent surtout récupérer leurs sous. Il y a, nous dit-on, dans le Rhode Island, David Korn, l'un des agents de change, qui meurt rien qu'en regardant tomber les chiffres sur son téléscripteur. C'est vous dire si le choc est terrible. On a des tentatives de suicide et des suicides, de très nombreux suicides. Et puis les gens à la rue et ces enfants qui sont à la soupe populaire parce qu'on n'a plus d'argent. Tout le monde est ruiné. Alors ce drame ne va pas concerner que les Américains. On le sait bien, ça va aussi entraîner des faillites en Europe. Et vous savez que 1929, on est au moment où l'Allemagne va tomber dans les bras du nazisme, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est intéressant ce journal. Vous avez vu ça? Hollywood qui brûle là, à gauche là. Oui. Oui, alors ça, bon. Alors, vous parlez de film, tiens, c'est intéressant. Vous savez que le maire de New York, au moment de ce drame, là, en octobre 1929, téléphone à toutes les salles de cinéma en disant, je vous en supplie, mettez des films comiques, diffusez des films qui sont détendants, qui donnent envie parce que le drame est absolu. Les chauffeurs de taxi n'en peuvent plus, eux-mêmes sont pris d'assaut et ne sont pas payés pour leurs courses. Enfin, c'est assez effroyable ce qui se passe. Alors, il y a le Wall Street Journal, évidemment, qui se fait l'écho de ce drame. Et je le rappelle, hein, 1929, comme je le disais, en Allemagne, ça va nous amener le nazisme. Et puis, la création de choses amusantes aussi, parce qu'il faut un petit peu sourire. C'est quand même avec cette crise que va naître le Monopoly. C'est au lendemain de cette crise que va naître le Monopoly, c'est-à-dire ce parcours pour essayer de racheter des rues, des immeubles. Et des... Mm-hmm. Donc, voilà, comme quoi, c'est un petit clin d'œil. Oui, absolument. Tiens, vous parliez d'Hollywood.